Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur la liberté spirituelle et aujourd'hui, notre thème du jour est « Refuse les blocages dans ta vie au nom de Jésus. Amen. » Et nous sommes encore avec le pasteur Marcel. Ça va, pasteur Marcel? Toujours en bonne forme et badaboum en permanence. Badaboum en permanence. Parce que je sais que ça va chauffer à l'instant avec un thème comme ça, refuser ce blocage. Il y a des gens qui seront délivrés. Mais en même temps, systématiquement, il arrive même en plein live où les vomissements, les poisons partent, les boules, les infirmités, des têtes brûlées, les cheveux poussent, les bras qui poussent, les pieds, les jambes, les infirmités, les fauteuils que les gens lâchent. Amen. Donc, je crois que refuser ce blocage, si tu as des blocages, au cours de cette émission de BCV, bonjour chez vous, le Saint-Esprit vient de dire... Bon, je vous avais dit, bonne journée chez toi. Il y en a marre. Tu as la belle journée. Tu as le droit d'avoir un bonjour. Voilà, alléluia. Ça suffit là. Amen, pasteur Marcel. Je dis amen. Le Saint-Esprit n'est pas limité par l'écran, par la situation géographique. Où que vous soyez, vous pouvez recevoir une touche de Dieu aujourd'hui. Et si vous n'avez pas suivi les émissions d'hier et avant-hier, je vous invite à aller sur mcitv.com, sur notre replay, pour suivre les émissions parce qu'il y avait vraiment de belles clés qui ont été données par le pasteur Marcel et aussi des temps de prière très forts qui peuvent vous apporter cette délivrance dont vous avez tellement besoin. Notre cœur est vraiment que vous puissiez avoir une percée aujourd'hui, qu'il y ait un avant et un après pour la gloire de Dieu. Pas pour notre gloire à nous, mais pour la gloire de Dieu, pour que vous soyez pleinement libres. Et pasteur Marcel, tu vas faire un conseil du coach tout à l'heure sur comment sortir des blocages spirituels. Donc on va d'abord parler de ces blocages, mais tout à l'heure tu vas nous dire comment nous en libérer. Et Aurélie, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Le titre de ma pensée aujourd'hui, c'est « Pas de blocage dans mon héritage ». Lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains 8, au verset 17, « Car si nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors du ciel, exactement comme le Christ. » Héritiers, ce sont des personnes qui ont part à tous les trésors du ciel. Pas une partie des trésors du ciel. Et la vie que Jésus-Christ a eue sur cette terre, c'est exactement la vie qu'on doit mener en tant qu'enfant de Dieu. On doit avoir une qualité de vie similaire, c'est-à-dire la vie en abondance, remplie de grâce, remplie de bénédictions, remplie de toutes sortes de bonnes choses que le Seigneur nous a données. Maintenant, d'où vient le fait que dans la vie d'une multitude de chrétiens, on ne rencontre pas les mêmes standards que ceux de Jésus-Christ? C'est parce qu'il y a plusieurs blocages, plusieurs limitations à différents niveaux que parfois on a acceptés. Alors, un blocage, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui limite l'accès au salut complet, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. C'est tout ce qui vient pour limiter votre paix, votre joie, vos percées, vos faveurs, vos grâces. Bref, tout ce qui vient limiter votre héritage en Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, au verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, on connaît ce verset, mais contre les puissances occultes. Et dans la version Parole vivante, ça dit « contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde ». On parle là des dominations. En fait, ce sont des dominations qui ont décidé de contrôler votre monde, de s'asseoir sur votre héritage et de vous bloquer. Mais face à ces dominations, il y a différentes attitudes qu'on doit avoir. On doit déjà décider de changer notre attitude devant les blocages. Jusqu'à présent, peut-être vous aviez accepté certaines situations dans votre vie, vous avez accepté certaines limitations, mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On doit refuser les blocages, vous devez identifier tout ce qui ne cadre pas avec les promesses de Dieu dans votre vie et vous devez passer à l'action, décider de vous battre, de vous tenir devant ces choses et de dire en fait ce que la parole de Dieu nous demande de faire. La parole de Dieu nous demande de prendre les armes de Dieu, donc on doit se placer devant ces blocages et dire « je prends les armes de Dieu avec moi, je refuse de laisser l'espace à l'ennemi ». Et une deuxième chose que je vous propose de faire aussi, c'est de ne pas vous contenter du juste assez, mais de viser la
l'abondance. Mmh. À la croix, vraiment, Jésus a pourvu pour tous les domaines de notre vie. Il n'a pas pourvu pour un seul domaine, pour un seul domaine, c'est ça. Donc, lorsqu'il y a juste un domaine dans la vie qui n'est pas correct, on doit se tenir devant ce domaine et dire « Non, je refuse ce blocage dans ma vie. » Il n'y a pas de blocage dans notre héritage. Alors, saisissons ces choses aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup, Aurélie. Je me souviens, en t'écoutant, je repensais à un témoignage d'une sœur que je connais bien, qui allait d'échec en échec dans sa vie. C'était échec professionnel, échec dans son couple, échec avec ses enfants. Et puis, elle avait repris les études et elle avait déjà redoublé une année alors qu'elle était adulte déjà. Elle avait repris des études pour reprendre sa vie en main. Elle avait redoublé une année, elle avait dû recommencer. Et elle était encore arrivée au premier semestre, elle était encore en échec. Et elle suivait une émission sur MCI TV et un pasteur avait pris par rapport au blocage, avait vraiment pris autorité, puis avait ciblé particulièrement quelque chose de précis dans sa vie. Elle a vraiment reçu, elle a vraiment vécu quelque chose, expérimenté une délivrance finalement. Après ça, elle est allée de réussite en réussite. Non seulement elle est allée au bout de ses études, mais arrivée au bout, elle a dit non, moi je vais aller encore plus loin. Et elle a repris des études supplémentaires. Elle s'est inscrite encore pour 3 ans supplémentaires pour aller encore plus loin dans ses études. Alors que je vous dis qu'elle était déjà adulte. Et en fait, ça a tout changé sa vie. Parce que ces blocages-là sont des blocages spirituels dont on parle. Hein. On ne parle pas juste de façon de penser ou autre. C'est vraiment plus profond que ça. Nous limitent dans notre vie et font que on a l'impression que nos frères et sœurs autour de nous réussissent tout ce qu'ils entreprennent, tout fonctionne pour eux, et toi, rien qui marche. Tu ne trouves pas le mariage ou tu te maries et tu vas de divorce en divorce. C'est professionnel, c'est financier, tout ce que tu veux entreprendre, tout ce que tu essayes, s'écrit échec dans ta vie, c'est des blocages en fait. Et on va voir ce que dit la parole de Dieu dans notre verset du jour, qui est aujourd'hui dans Colossiens 2 au verset 10. « Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Jésus-Christ est au-dessus de tout ce qui peut venir nous bloquer dans notre vie, de tout ce qui peut venir nous ralentir, de tout ce qui peut venir nous effrayer. Jésus-Christ est au-dessus de ça. Il est le chef de toute autorité, de toute domination. Son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Et nous avons en nous Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas rester sous un joug de blocage comme ça, tout au long de notre vie, en fait. Effectivement, on ne peut pas rester sous un joug de blocage parce que le fait d'avoir Jésus-Christ en nous nous garantit vraiment cette plénitude. Donc, ce verset parle, on dit, on a tout pleinement en Jésus-Christ. Et on doit, maintenant qu'on a tout en Jésus-Christ, on doit comprendre justement l'étendue de ce que la présence de Christ en nous produit, en fait. L'étendue de cet héritage-là. Dans cet héritage, il y a la domination. Dans cet héritage, il y a la joie, il y a la paix. Il y a tout ce qui pourrait constituer des blocages, un peu comme ce que tu dis par rapport à la fille. Dans son héritage, elle a déjà, si elle est enfant de Dieu, elle a déjà tout, en fait. Mais quelquefois, justement, on est tellement habitué à vivre dans des limitations que ça devient un style de vie. Parce que, OK, j'ai dans mon environnement, et là même, je vais faire cette parenthèse-là, quand je dis limitation ici, il y a pour certains, ça a l'air correct, hein. Parce que parfois, on dit limitation, pour certains, c'est vraiment, la vie est vraiment limitée à plusieurs niveaux. Mais d'autres, on se dit, OK, on peut vivre avec ça, plus ça va. Et on accepte ces choses-là. Effectivement, on les tolère. Mais il faut comprendre que Satan va toujours vouloir voler notre héritage. Il va toujours vouloir nous laisser dans une position inférieure à ce à quoi le Saint-Esprit nous appelle, en fait. Et c'est à nous de comprendre que non, dans mon héritage, je dois aller de gloire en gloire. C'est pas normal que ma vie stagne. C'est pas normal que sur le plan professionnel, je ne réussisse pas. C'est pas normal. Et dès l'instant où on a identifié toutes ces choses et qu'on s'est saisi de cette autorité en Christ, ben là, on pourra se placer devant et dire non, non, non. Avec ce que j'ai, avec l'héritage que j'ai, ça m'appartient, c'est même pas une négociation. Avec toi, Satan, je récupère mon héritage au nom de Jésus-Christ. Yes! Ouais, mais c'est tellement beau, je rends grâce à Dieu, en tout cas pour ce qui est partagé actuellement. D'autant plus que la Bible nous dit que nous sommes des co-héritiers. Nous sommes d'abord des héritiers et des co-héritiers. En d'autres mots, on a d'abord l'héritage que Dieu nous a donné pour nous. Et en deuxième étape, nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est un mot, quand on cherche la définition de la profondeur de ce verset, ou de ce terme, ou du sens même de ce qui est dit,
on découvre qu'en fait, qu'on a, Christ nous a fait la grâce d'être au même niveau, d'avoir accès à lui, mm-hmm. de bénéficier de qui il est. Mm-hmm. Et je vais plus loin, Romains chapitre 8 à l'instant, où la Bible nous dit, mais qui nous, j'ouvre ma Bible, qui nous séparera de l'amour de Christ? Mm-hmm. Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Et il va encore plus loin pour dire, à partir de verset 38, « Car j'ai l'assurance, Romains 8, j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni rien, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Si Dieu nous aime, qu'il nous a choisis et qu'il a fait de nous ses enfants, je peux vous dire que c'est une certitude, une garantie. C'est quelque chose qui vient sceller l'alliance, le mandat de Dieu, de sorte qu'on soit rassuré d'une chose. Rien ne pourra nous déboulonner, nous arracher. Il peut y avoir plein de choses. Il dit la famine, le péril, la honte, la nudité, toutes ces choses peuvent s'effacer dans notre vie. L'angoisse, le stress, la peur. Mais on doit toujours garder ses yeux. J'aime le terme qui dit en anglais le focus. Garder l'essentiel sur Dieu, en fait. Mm-hmm. Parce qu'on va se rendre compte que c'est Dieu nous a choisis pour être ses enfants, ses serviteurs. Et ça, c'est une mesure importante. C'est comme un logiciel. On fabrique un logiciel, on met un contenu, on met une mise à jour. Le logiciel n'est pas autonome tout seul. C'est quelqu'un qui l'a fait. Nous sommes aujourd'hui, c'est comme ces vases. Dieu a créé ces vases. S'il voit que ces vases sont faibles, sont fatigués, sont peut-être imparfaits, il va casser pour faire mieux. Donc, ce qui fait que nous appartenons à Dieu. Il faut que le diable sache que ce blocage ou ces manœuvres, ces distractions, toutes ces choses qui consistent à nous faire perdre du temps, découvre une chose. Désormais, nous nous levons et rentrer pleinement dans tout le bénéfice de l'environnement glorieux de Dieu, dans lequel il y a ce qu'on appelle l'illimité de Dieu, grandeur de Dieu, bonté de Dieu, miséricorde de Dieu. Il faut que ces blocages, je pense qu'ont été au moment où on n'était pas encore en Christ. Et maintenant qu'on est en Christ et qu'on sait qui il est, et on découvre d'autant plus que ce Christ a fait de nous des enfants de valeur. Il dit, je t'appelle par ton nom. Ouais. Tu as du prix à mes yeux. Amen. Ésaïe 43. Et je t'aime. Je t'aime. Il dit, tu traverseras le feu. Le feu ne va pas te toucher. Tu vas passer dans l'eau. L'eau ne va pas te toucher. Ça nous donne l'exemple des trois amis de Daniel qu'on a pris, on a jeté dans l'étang du feu. Mais les anges de Dieu les ont protégés. La Bible dit que Nebuchadnezzar, qui était même maître de jeu, signataire de la loi, on a dit, mais c'est bizarre quand même. Les quatre personnes qui ont jeté les trois amis ont été foudroyées par le feu violent. Mais par contre, eux qui étaient exposés au feu, la Bible dit que leur caleçon, pour ne pas dire leur habit, qui était fait de peau d'animaux, n'avait pas été touché par même l'odeur du feu. Mais ils ont dit, mais on voit un quatrième homme. Comment ça se fait qu'on a jeté trois et on voit quatre? Le secours de Dieu, le bras de Dieu, l'ange de Dieu. C'était le quatrième homme, c'était le visage d'un fils de Dieu. En d'autres mots, c'était Jésus de Nazareth. La révélation du Christ manifestée de façon anticipée, en avance dans l'Ancien Testament, on n'arrivait pas à décrire qui était le fils de Dieu. Mais Jésus est toujours là. Quand tu es seul, il est là. Quand tu dors, il est là. Quand tu marches, il est là. Quand tu te combats, il est là. Quand tu es dans ton travail, il est là. Quand tu es en difficulté, il est là. Blocage, tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Hey! Amen. Amen. Et on va voir avec toi, Marcel, comment on fait cesser ces blocages dans nos vies. On en parle tout de suite dans la rubrique Conseil du coach. Go! Alléluia! Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer un petit moment fort. Je vais, avec vous, partager ce temps parce que je prévois aussi de prier par la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous savez, de nos jours, quand on parle d'obstacles, de sujets, il y en a tellement de sujets d'obstacles. Les obstacles, il y en a au quotidien. Les obstacles, il y en a dans le domaine personnel,
Les obstacles, il y en a dans le domaine financier. Le blocage, il y en a dans le domaine mariage. Le blocage dans le domaine familial. Le blocage dans le domaine professionnel. Il arrive même qu'on ait un blocage personnel où on n'arrive pas à évoluer. On fait du surplace, vous voyez. On fait beaucoup d'efforts, comme je suis en train de faire le modèle. Vous voyez, tu fais beaucoup d'efforts, tu mets beaucoup de la volonté, tu fournis beaucoup de courage, tu t'impliques à fond, mais plus de sueur, mais moins de fruits, moins d'efficacité. Mmh. Tu n'évolues pas. Il arrive même que tu fasses ce qu'on appelle de l'éternel recommencement de la routine. Mmh. Ce que tu avais l'impression d'avoir été quand même, d'avoir fini en 2000 de l'année précédente, se manifeste encore à la même l'année présente. Et chaque fois, les mêmes choses. Il est temps que tu passes à une autre étape. J'appelle ça l'autre bord. Parce que ça va te permettre un peu de prendre possession de tes promesses. Parce que le blocage consiste à te limiter sur une zone, à te restreindre sur un espace, ou même de te faire oublier qui tu es. Or, Dieu nous a appelés avec une destinée en face, avec une promesse manifestée, avec un plan qu'il nous a donné, avec des grâces qu'il a mis en réserve illimitées pour chacun de ses enfants. Dieu nous aime. Vous savez, Dieu ne peut pas ne pas nous faire entrer à Canaan quand il t'appelle à sortir de l'Égypte. C'est pour t'emmener à Canaan. Ce n'est pas pour que tu restes en plein chemin. Canaan, c'est ton chemin final. C'est ta destination. C'est pour ça que chaque fois que tu traverses un moment difficile, ne regarde pas la situation. Regarde plutôt, rappelle à Dieu ses promesses. Si cela peut t'emmener aussi à changer de prière, au lieu de chaque fois se focaliser sur tes douleurs à pleurer, tu vas dire, Seigneur, je sais. Je sais dans ce que je vis, quelque chose va se passer un jour. Je sais dans ce que je traverse, Seigneur, il y a une réponse que tu as préparée pour moi. Je sais dans le combat que je mène, Seigneur, il y a une victoire que tu as pour moi. Fais comme cette femme dans le livre de Matthieu, chapitre 9. La Bible dit quoi? La femme qui avait la perte de sang. La Bible dit qu'elle a souffert tellement 12 ans. 12 ans, ce n'est pas 12 jours. 12 ans, c'est une galère terrible. 12 ans, c'était de la souffrance. 12 ans, ça fait des mois accumulés, des semaines accumulées, des jours accumulés, multipliés par ces 12 années de souffrance. Mmh. Mais elle s'est dit en elle-même, un jour, c'est bon, j'ai entendu parler du Fils de Dieu. Je vais toucher, même si je ne suis pas digne de m'approcher, je vais toucher le bord de son vêtement. Ça, c'est de la détermination, parce que c'est très important pour casser le blocage. Il faut de la détermination, il faut du courage, il faut oser. Vous voyez, il faut, à un moment donné, il faut se lever, il faut de l'audacité. Il faut être un homme qui a de l'audace, une femme qui a de l'audace, qui se dit maintenant, c'est vrai, ce que je vis, je connais. Mais ce que Dieu m'appelle à vivre, c'est ce que je dois arriver. Je suis fatiguée de tourner en rond. Je ne veux plus être dans cet espace. Ce n'est pas mon environnement. Je refuse cela. Et au-delà de dire je refuse, c'est un abandon qu'on fait à Dieu, en fait. Et ce verset de Zacharie, chapitre 4, il nous dit quelque chose de bien précis, le verset 6. Il dit, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence. Ce n'est pas par notre courage qu'on peut s'en sortir, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider, nous inspirer, nous conduire. Le Saint-Esprit va nous assister. Le Saint-Esprit va agir dans notre vie de sorte que là où notre main ne peut pas arriver, Dieu va étendre sa main pour manifester sa gloire. Là où nous sommes limités en énergie, en capacité, peut-être en oxygène, Dieu va venir nous fortifier et manifester sa bonté. Il est temps qu'on sache une chose, le blocage dans lequel tu es n'est pas ta destination finale, n'est pas ton espace final. Écoute, bien. Ce blocage dans lequel tu as habitué, peut-être tu es tellement devenu un sujet de décoration, comme j'aime dire souvent, mais Dieu te dit, regarde, ferme les yeux, regarde, derrière ce blocage, derrière ce mur, tu vas voir que ta route continue. Derrière ce blocage, cette montagne, donc on va voir le verset 7, et le Seigneur dit quoi? Il dit, montagne, qui es-tu? Et à un moment donné, c'est ça. Cette prière-là, c'est, vous savez, je vous expliquais hier sur l'émission sur comment combattre, mais aujourd'hui, je vais t'expliquer comment prier efficacement pour pouvoir briser le blocage. Pour briser le blocage, il faut prier pour demander à Dieu, Seigneur, merci. Merci de ce que Père, déjà, ta promesse, je la tiens, je la garde. Il ne faut jamais la lâcher. Mm-hmm. Deuxièmement, Seigneur, merci pour le cap que tu m'as donné. Il ne faut jamais perdre le cap de Dieu, ce que j'appelle le focus. Ça te permet vraiment de garder l'essentiel. Et tu vas voir qu'en fait, le blocage est une obstruction à ta vue et qui te fait voir que tu ne peux pas voir plus loin, tu te fais voir que tu n'as pas de possibilité de comprendre la réalité. Mais Dieu, lui, veut que tu vives quelque chose plus loin que tu vois. Quand tu regardes à l'horizon au bord de la mer, tu as l'impression que à la fin de ta capacité visuelle, c'est là que le ciel et la mer se croisent. C'est faux.
C'est une illusion de vue. Parce que la réalité, c'est que la mer, c'est plus étendue que ça. Le ciel, c'est plus large que ça. Il faut que tu comprennes qu'en fait, ce Dieu-là, c'est parce que tu n'es pas encore exaucé, peut-être pour ton pied, pour ton genou, que tu penses que Dieu n'est pas capable. Oui, Dieu est capable. C'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui, à l'instant, te dire que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut faire tomber ces murailles-là. Et en fait, il faut regarder, il faut demander le signe de Dieu. Comme Gédéon a dit à Dieu, donne-moi un signe. Le signe que tu as avec moi, c'est ça. Ça va t'aider, en fait, dans ta prière. Le signe que Dieu a manifesté pour démontrer que tu es son enfant, n'oublie jamais, garde-le. Le signe qui a démontré que tu appartiens à Dieu, garde-le. Ça va t'amener dans ta prière, dans les situations de blocage, à ne plus te limiter dans ce qui est en train de se passer dans ta vie pour te distraire, mais plutôt dans la révélation, dans le fait que l'essentiel, c'est que Dieu t'a pris d'un point A pour t'amener à un point B. Dieu, avec Dieu, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quand il commence avec toi, il va t'amener à arriver à la fin avec toi. Quand il commence avec toi, ce que tu vas vivre, en fait, au milieu, entre le A et le B, il y a un parcours que toi, tu dois faire. Mais Dieu t'attend déjà au B. En fait, le plus beau, c'est que ce que tu vas parcourir de A à B ou à C, le milieu de ta vie, c'est ce qui fait ton témoignage. C'est ce qui fait que c'est toi. C'est pour ça que tu peux lire l'histoire de Jean. Tu peux entendre des choses. J'aime ce verset où Job disait « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mm-hmm. Vous savez, parce qu'il a vécu les 5 épreuves de la vie, les 5 fléaux les plus difficiles de sa vie. Il a vécu l'épreuve de la maladie, il a vécu l'épreuve financière, l'épreuve familiale, l'épreuve professionnelle, où il a perdu son bétail, il a tout perdu. Mm-hmm. Même l'épreuve de la santé, la maladie, où son corps entier était un ulcère, c'est terrible. Et aussi, il a vécu quelque chose qui était atroce. Ses propres amis l'ont abandonné. Et à un moment donné, il est passé même dans une phase où il est passé dans un moment de doute, il s'est dit, mais pourquoi ma mère m'a mis au monde? C'est quelque part quelque chose qu'il faut en tenir compte où par moment on voit trouble, on est par moment obstrué, on est perdu, on perd un peu pied. Mais il faut revenir à Dieu, Seigneur, mes limites, voici mes limites, voilà mes capacités, je n'ai plus de réserve, mon oxygène est presque fini. C'est comme ça qu'il faut prier, il faut prier avec vérité à Dieu. En fait, il ne faut pas prier pour croire que, voilà, pour cacher un peu qui tu es. Non, Seigneur, pour que le Seigneur agisse, pour que le blocage tombe, il faut identifier ce blocage. Il faut identifier tes faiblesses. Seigneur, je n'ai pas dormi hier nuit. Seigneur, c'est vrai que là où je suis, je manque de force, je manque d'inspiration. Seigneur, je n'arrive plus à me lever. Seigneur, là où je suis, ça, c'est mon niveau, ça. C'est ma capacité de faire. Ce sont mes réserves qui sont là, qui sont presque épuisées, qui n'ont plus de source. Je suis plus complètement perdu dans ce que je vis. Mais c'est en toi que je me confie. Mmh. C'est toi, sur toi que je compte. Mmh. C'est toi que j'attends, Seigneur. J'attends de toi pour mon mariage. J'attends de toi pour ma famille. J'attends de toi pour ma santé. Cette prière-là, de cœur à cœur, c'est ce que David a fait. Il est dans le livre de Psaume 102, 103. Il dit, je suis comme un pélican qui est en train de crier, huer dans le désert. Quelqu'un qui est là, qui crie et qui ne sait plus. Il dit, je mélange mes larmes à ma boisson. Ça, ce sont des prières qu'il faut faire à Dieu en toute sincérité. Il ne faut pas faire le fort devant Dieu, c'est ça. Cette prière pour faire tomber ces blocages-là, il ne faut pas aller pleurer pour tes faiblesses, mais il faut dire à Dieu dans quel état tu es. Et demander à Dieu dans quelle dimension, lui, il doit t'emmener. Et tu dois espérer dans ce que Dieu a dit, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a promis, dans ce qu'il a écrit. Et puis aussi, une chose qu'il faut que tu retiennes, regarde de Genèse à l'Apocalypse, c'est un moment donné, tu vois, pour éviter de broyer dans le noir gratuitement, parce que tu peux te retrouver dans la solitude, dans un moment où chaque fois pour rien, tu pleures, pour rien, quand tu es dans le blocage, tu as envie de couper et tout, tu as envie d'être seul, tu ne te retrouves pas parce que tout est restreint autour de toi, tout est contre toi. Il faut revenir aux sources où tu t'assois devant Dieu, tu dis Seigneur, je te loue. Je te loue de ce qui tu es. Je te loue de ce que tu as déjà accompli dans ma vie. Je te loue de ce que tu as déjà manifesté. Ça, en fait, il faut rentrer dans une vie d'adorateur. Tu vas voir que dans la vie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. J'ai rencontré une grande star un jour, à qui j'ai parlé de Dieu, en fait. Et elle me disait, après avoir fini de prêcher, elle a dit, je veux te rencontrer, monsieur. Et c'est comme ça que j'ai découvert que c'était une star. Elle me dit, voilà, mais la plupart de mes chants sont de mes histoires. C'est mon vécu. Et en fait, je me rends compte, je me dis, mais waouh. Et je lui dis, mais maintenant, une autre histoire va commencer dans ta vie. L'œuvre de Christ, l'impact de Christ, elle commence à pleurer. Et en fait, quelque part, je lui parlais de David. Qu'est-ce qui représente le livre de Psaume? Le livre de Psaume, c'est les faits,
et le vécu de David. Ce que David vivait, c'est ce qu'il a écrit. Il a écrit ce qu'il vivait de difficile. Il a écrit ce moment de faiblesse. Il a écrit ce moment où il était en communion à la recherche de la miséricorde de Dieu pour sortir des blocages. Il est temps, en fait, que tu comprennes que la Bible dit, il dit le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. C'est en permanence un moyen de te pousser à l'échec, de te ramener encore dans ton passé. Parce qu'il faut le comprendre, ça. L'ennemi ne peut rien faire, il ne connaît rien de ton avenir. C'est pour ça que je veux que tu saches que quand tu te lèves dans le cadre du blocage, demande à Dieu de t'emmener à manifester ses promesses pour l'avenir. Parce que le diable ne connaît pas ton avenir. Le diable ramène toujours les choses de ton passé. Regarde bien, parce que l'avenir appartient à Dieu. Le présent, c'est ce que Dieu a donné à l'homme. Le passé, c'est ce que l'ennemi utilise chaque fois. Donc, il va te ramener, tu es médiocre, il va te ramener, tu as échoué, il va te ramener ta honte, là où c'était difficile pour toi. C'est cette image-là qui te ramène jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu n'as plus d'espérance d'avenir. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Or, la Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, je prie maintenant dans la puissance du Saint-Esprit que ce blocage financier soit vaincu. Cette messe sèche qui est comme une condamnation, une œuvre de l'ennemi, comme une action qui a été scellée sur toi, qui fait que tu n'arrives pas à évoluer. Chaque fois, les mêmes choses se répètent, soit vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Il y a le blocage qui fait que même si tu es jolie, une belle fille, une fille intelligente qui travaille, une fille responsable, mais tu es toujours en train de vivre des moments difficiles à ne jamais. Les gens s'approchent de toi. Un homme t'apprécie à un moment donné, banco, la personne se taille, s'en va, tu te retrouves encore à dire, ah Seigneur, pourquoi? Non, Dieu ne t'a pas appelé seul, mais il y a un blocage, il y a un obstacle, il y a un piège. Il y a, souvent même, il y a comme un prix qui a été lancé sur ta tête à ne jamais, comme un défi, ne jamais te marier. Mais sache que dans le blocage, ce blocage devient ton défi personnel où tu sais que maintenant, montagne, qui es-tu? Tu ne tiendras plus là, tu ne resteras plus là parce que je sais que mon Dieu m'a appelé à aller à l'autre bord. Je ne suis plus dans cette limite de ce bord de premier moment de vie que j'ai vécu et qui peut-être était bien, mais où j'ai vécu quoi. Le Seigneur dit qu'il a transformé l'eau en vin. Tout ça c'est bien, mais au moment où tu passes à une autre dimension, cette dimension où le blocage devient, vous voyez, quand tu marches, quelque chose peut te bloquer, quelque chose peut être un obstacle pour toi. Mais quand Dieu te prend à marcher sur cet obstacle, ça devient quoi? Comme un escalier de transport, d'élévation. Voilà, donc tu vas te lever pour que ce qui est un obstacle pour toi, ce qui est un piège pour toi, ce qui est une obstruction pour toi, ce qui est une difficulté pour toi, devient un escalier d'extension, d'expansion, d'élévation, de qualification. Ainsi, tu peux dire, voilà ce que je vivais, là où j'étais, et maintenant, voilà la vie que je mène au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu, reçois la puissance du Saint-Esprit, sors par l'action du vomissement, Dieu est en train de te délivrer, par le Saint-Esprit qui est en train de te secouer là où tu es, sur ton salon, sur ton lit, sur ton fauteuil, dans ta voiture, au travail, peu importe, devant ton écran, téléphone ou écran de télévision, peu importe, ordinateur, au nom de Jésus de Nazareth, sors! Bates! Oh! Nom de Jésus! Maintenant, tu reçois maintenant, tu visites maintenant, tu as touché maintenant. Ce blocage sort de ton ventre, sort pour lâcher ton fils, ton enfant, tes entrailles! Amen! 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 Recevez ce que le Seigneur a pour vous. Alléluia. Merci, pasteur Marcel. Merci d'être venu sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Tu reviens nous voir quand tu veux. Tu sais que la porte est grande ouverte. Et nous, on se retrouve demain. On va parler de prendre soin de notre corps. Et nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias » avec Nadine qui aura une invitée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Soyez bénis et libérés au nom de Jésus. Et bonjour chez vous.